Une nouvelle semaine qui démarre sur des chapeaux de roue. Nous sommes heureux, heureux d'ouvrir à nouveau la parenthèse avec vous, madame, monsieur. Bonjour, bienvenue sur votre matinale qui allie humour, information, découverte, démonstration, savoir-vivre et surtout savoir-être. Les chroniqueurs sont déjà prêts pour l'aventure qui va durer 90 minutes. Nous reviendrons bien sûr sur ce scandale du week-end. Ils se font appeler chinois, ont profané la tombe de Didier Arafat et ont publié les images sur les réseaux sociaux. Une fois encore, ce pose l'éternel problème de l'usage abusif de ces canaux de communication. Bien sûr, mais avant tout ceci, on prend les nouvelles des astres. Si vous êtes né dans le mois de septembre, sachez que selon notre astrologue, vous êtes du signe chat. L'astrologie, selon Pipi Obaro, c'est une production exclusive de l'ORTB. C'est très bon. Mais tu es chat. Ah oui, nous avons. Ah oui, ouais. Elle a roué. C'est un vieux. Ah oui, elle est mort. Oui, elle est fière. Septembre. Elle est. Regardez. Moi de septembre, elle est fière. Chat. Ils ont écrit. Bel et bien. Elle a roué. Elle m'a terminé. Elle m'a terminé. Il va te tuer. Elle va te tuer. C'est un mort qui est à côté. Comment se fait-il? Ainsi. Ainsi. Souris. Va rester à côté. Monsieur l'astrologue. D'un chat. Écoutez-moi. Ça va, ça suffit. Oui, oui, oui. Et on a oui. Mental contre Dieu. Nous connaissons. Ah oui, nous connaissons. Et Dieu, mais que vous transformez le malheur en bonheur. Mais c'est faux. Vous transformez le bonheur en malheur. Je n'ai pas eu ça. Oui, le pote tègue. Quand la Dieu devient, mais ton les billets qu'on y a. Eh oh, il y a de nous, on est. Il est. Elle est en tête de te gâter. Elle a roué. Écoutez-le. Maïf en demi-haut, fais-le. Maïf en demi-haut. Maïf en demi-haut. Madame, assieds-toi en haut. Si, il chat. Si Isha, il y a quelque chose que je vais encore te le dire. Ouais, non, c'est pas affaire de Marcou Diafio. Tout à l'heure, je t'entendais dire. Minoro astrologue, ouais, nous, Minoro. Mais on n'a que celui qui transforme le malheur en bonheur. Non. Il transforme le bonheur en malheur, oui. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Non, ça veut dire que ce que tu fais dans ce pays, c'est pas du tout. Mais c'est un escroc. Mais si tu veux être vraiment Le signe chat donc avec notre astrologue visionnaire qui cette fois-ci n'en s'en est pas très bien tiré apparemment. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Hermon, bonjour aux amis téléspectateurs. Une nouvelle semaine qui démarre, vous avez le sourire large. Oui. Parce que vous êtes justement du signe chat, vous êtes natif de septembre. Alors avec vous, on va parler d'endométriose, c'est dans la rubrique santé. Tout savoir sur l'endométriose, oui, c'est avec vous, Mylène Fanou. Oui, Hermon, on parlera de l'endométriose. Tu vois, j'ai aussi du mal à le prononcer. Mais moi, j'ai eu beaucoup de facilité à le prononcer. C'est un mot un peu bizarre, qui l'est également certainement pour les téléspectateurs. Et pourtant, une femme sur 10 en souffre, une des maladies gynécologiques les plus méconnues, souvent très douloureuse et qui représente l'une des premières causes d'infertilité. Le diagnostic arrive souvent tard, d'où l'importance d'en parler. Komla Agosu, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gynécologue obstétricien. Exact. Vous allez donc nous informer sur cette maladie qui est encore méconnue du grand public. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'endométriose? Alors, l'endométriose, c'est un terme médical déjà. Donc, c'est un peu barbare à prononcer comme vous en avez eu la difficulté, mais bon. C'est juste une manière de désigner une anomalie qui se caractérise par la présence d'un tissu. Hein. Donc c'est un tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui se retrouve en localisation ectopique, donc en localisation à distance, anormalement ailleurs, si vous préférez. Donc, on retrouve ce tissu qui doit se retrouver exclusivement à l'intérieur de l'utérus peut se retrouver
dans l'épaisseur du muscle utérin ou bien à l'extérieur sur les ovaires, les trompes, les anses intestinales, les poumons, le foie, la peau, etc. Donc, c'est l'endomètre justement qui a la caractéristique de produire les règles. Donc, ce qui va se passer, c'est que au cours de la période menstruelle, les localisations extra-utérines aussi vont produire du saignement, comme si c'était de l'endomètre. Le résultat, c'est qu'il va y avoir de l'inflammation, il va y avoir des adhérences, donc les organes internes vont s'accoler les uns aux autres, certains vont s'abîmer, comme les trompes, et du coup, vous comprenez ce que ça peut produire comme ennui sur la fertilité, comme vous venez d'en parler au début. Qu'est-ce qui en est à la base? C'est quoi la cause exactement? On ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne le sait pas. On ne sait pas. Il y a beaucoup de théories, mais bon, il n'y a pas de point de départ connu. Toujours est-il que l'anomalie a été constatée et c'est tout. Généralement, quand on a ses règles, on a mal au bas-ventre et on se dit que c'est normal. Donc, on ne va pas consulter pour... Alors, il n'est pas normal d'avoir mal au bas-ventre pendant les règles. Les règles sont prévues pour fonctionner normalement sans pratiquement aucune douleur. Sans pratiquement aucune douleur. Mais l'endométriose est l'une des causes de douleur au cours des règles. C'est l'une des causes. Il y a d'autres causes. Mais comme nous parlons spécifiquement de l'endométriose, l'endométriose est une cause de douleur et une cause de douleur grave, de douleur importante. Parce que les douleurs de l'endométriose sont... des douleurs d'intensité croissante. Cela commence doucement, mais plus la maladie progresse, plus l'intensité de la douleur va devenir insupportable, et ainsi que la fréquence et la séquence au cours du cycle menstruel. C'est une maladie qu'on ne connaît pas du tout. Pourquoi elle est si inconnue? On la connaît bien, nous, soignants. Les patients connaissent peu puisque c'est un diagnostic assez difficile. Alors, un diagnostic assez difficile parce que souvent besoin d'une intervention chirurgicale pour prélever du tissu endométrial ailleurs. Il faut que ce tissu soit prélevé ailleurs pour être analysé au laboratoire pour qu'on confirme que c'est de l'endométriose. Donc, du coup, ce n'est pas des explorations courantes, puisqu'elles sont souvent onéreuses. Et il n'y a pas d'autre manière pour pouvoir savoir si on a l'endométriose ou pas? On doit forcément se faire opérer avant de savoir si on a... En fait, c'est presque ça. D'accord. Des fois, l'imagerie peut permettre de suspecter et on peut faire un traitement présomptif. Mais on n'a pas de diagnostic de certitude, donc. Chez toutes les femmes, ce sont les mêmes symptômes ou ça diffère en fonction de la femme? Alors déjà, il faut savoir que l'endométriose donne des douleurs et que la cible, c'est les femmes en âge de procréer. Ce n'est pas les femmes ménopausées. Ce n'est pas les femmes qui ne sont pas pubères. Mais par contre, il n'y a pas d'âge précis dans la période d'activité génitale. Donc dès les premières règles, l'endométriose peut exister. Est-ce que toutes les endométrioses donnent des problèmes de fertilité? Non, et toutes les endométrioses ne donnent pas de douleur. Ah. Du coup, vous pouvez comprendre aussi que la fréquence est sous-estimée. Et si on n'a pas les symptômes, si on n'a pas mal, comment est-ce qu'on peut aller consulter? Ben, on n'en a pas besoin. Mais c'est là. L'endométriose n'est pas une maladie mortelle, ce n'est pas un cancer. Ça ne tue personne. Donc, on peut... Donc, il y a des formes simple, comme il y a des formes plus compliquées, plus douloureuses. Donc, le seul handicap direct avec l'endométriose, c'est un inconfort au cours de la vie. Est-ce qu'il y a des cas au Bénin? Oui. Il y a des cas partout dans le monde. Beaucoup de cas au Bénin? Bon, beaucoup de cas. À peu près une femme sur quatre qui a un problème d'infertilité a de l'endométriose. Et généralement, elles viennent consulter après, n'est-ce pas, ou dès qu'elles ont les premiers symptômes? Alors, les femmes
en général, qui ont des problèmes d'infertilité ne viennent pas avant, puisqu'elles ont déjà les complications. Alors, pour les autres, c'est rare. J'imagine que les femmes béninoises qui ont les règles douloureuses ne vont pas en consultation gynécologique dès les premières douleurs. C'est quand la douleur devient insupportable qu'elle se présente. Alors, docteur, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas encore ce qui cause fondamentalement ce mal, mais comment en est-on arrivé à tirer la conclusion sur laquelle la maladie n'est pas mortelle, du moment où on ne sait pas ce qui l'a causé? Ben, on n'a pas besoin de tirer une conclusion. Lorsqu'une maladie est létale, elle donne la mort. Mm-hmm. C'est un constat. Si vous avez une maladie qui peut vous tuer, lorsque vous ne la soignez pas, vous mourrez. Mais l'endométriose, même quand vous ne la soignez pas, ça ne vous tuera pas. La seule chose qui va arriver, c'est des manifestations possibles, qui sont des manifestations souvent douloureuses, mais aussi des manifestations hémorragiques. J'ai oublié d'en parler. Les règles, les menstruations peuvent être très abondantes, des saignements de plus en plus abondants pendant de plus en plus longtemps, d'accord, en plus des douleurs. D'accord. Donc la première chose déjà à faire, c'est d'aller consulter quand on a des règles douloureuses. Exactement. Et c'est un principe de soin que d'aller en consultation chaque fois qu'une chose anormale, qui n'est pas habituelle, se produit. D'accord. Lorsqu'une chose inhabituelle se produit au cours de la vie, quel que soit le compartiment, c'est bien de demander un avis médical. Et c'est ça, la consultation. Le vrai problème avec les règles, c'est qu'on nous a toujours dit que ça allait avec les douleurs. Donc, généralement, quand tu as mal au bas-ventre pour tes règles, tu ne vas pas consulter. C'est vrai. Et c'est un cliché qu'il faut bannir, en fait. La douleur ne fait pas partie de ce qui est naturel et de ce qui est normal dans le fonctionnement de l'être humain. Merci, docteur. Merci pour vos éclaircissements. Ben, c'est moi. Merci également à vous aussi, Mylène. Merci au docteur qui nous a éclairé sur cette maladie qu'est l'endométriose. On sait désormais tout sur cette maladie, n'est-ce pas, Mylène? Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y en a, on va faire un bond dans l'histoire. Elles ont, docteur, résisté justement à l'invasion coloniale. Elles étaient aux côtés du roi Béhanzin dans ces affrontements. Elles ont marqué l'histoire du Bénin. Elles, ce sont les Amazones. Bien évidemment, on en parle dans la rubrique Découverte avec Ariane Da Silva. La rubrique Découverte s'intéresse donc aujourd'hui aux Amazones, à ces femmes battantes, à ces femmes qui, par le passé, ont bien évidemment combattu le colon. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, nous parlons évidemment des Amazones aujourd'hui, ces femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur de linguistique et de tradition orale à l'UAC. Devinez qui c'est? Le prochain, bienvenue à Kora. Mais voilà, bienvenue professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors professeur, qui étaient les Amazones? Eh bien, les Amazones étaient de très braves femmes. Très braves femmes que l'histoire a tout fait pour nous faire oublier, mais qui ont résisté à l'oubli. Donc aujourd'hui, nous nous souvenons très bien de ces braves femmes dont descendent toutes les femmes du Dan Romain. Mais qu'est-ce qu'elles incarnaient, ces femmes-là? Quel rôle elles jouaient dans la cité? En fait, dans la cité, les Amazones étaient l'armée régulière du Dan Romain. L'armée régulière du Dan Romain était composée, on peut dire, à 85% de ces femmes-là. Et c'est lors des campagnes qu'on recrutait massivement des hommes pour épauler l'armée. Et ce sont ces femmes qui entraînaient les recrues, ceux qui ont été recrutés là. Ce sont ces femmes qui les entraînaient à l'art de la guerre, au métier de la guerre. Mais comment se faisait le recrutement de ces femmes? Elles étaient recrutées, d'abord il faut aller aux origines. Mmh. Et, dans l'ancien royaume du Dahomey, il n'y avait pas séparation
entre ce qui est spirituel et ce qui est temporel. Le roi est à la fois un Dieu et un homme, un humain comme nous tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on a des jumeaux, par exemple, ces jumeaux-là sont considérés comme des dieux. Et il s'est fait que, justement, au début du règne du Dan Romain, là, avec Akaba, il était un jumeau. Et sa sœur jumelle, celle qu'on appelait Doré, a été intronisée exactement comme son frère Akaba. Donc, elle partageait la gestion du royaume avec son frère parce qu'elle est jumelle. Mais le frère est décédé de manière inattendue et précoce et elle a poursuivi seule l'œuvre entamée par son frère et elle est devenue reine, sinon roi. Mais pour se protéger, elle n'avait pas confiance aux hommes et elle avait raison. Ah bon, pourquoi? Ben parce que la société de l'époque, comme celle d'aujourd'hui, est dominée par la toute-puissance des mâles sur les femelles. Donc, elle a préféré prendre des femmes pour assurer sa garde rapprochée, la garde prétorienne. Et c'est ces femmes qui ont constitué le corps d'élite de l'armée du Dan Romain. Quand Agadja lui a pris le pouvoir, En 1711, quand Agadja lui a pris le pouvoir en 1711, Agadja a étoffé la garde prétorienne pour en faire le corps d'élite de l'armée du Dan Romain. Et pour que cette dame ne lui crée pas de problèmes à l'interne, elle les a orientés, cette armée, vers les conquêtes à l'extérieur du Dan Romain. Ce qui a amené Agadja, avec ses braves Amazones, à prendre Alada, ensuite prendre Ouida, sa vie, vous savez, pour atteindre donc la mer et se ravitailler en armement. Voilà donc, les Amazones ont été présentes tout au long de l'histoire du Dan Romain. C'est dès 1711 que les Amazones ont commencé leur histoire politique et publique dans l'armée du Dan Romain. Et ça ne prendra fin qu'en 1894, avec la chute du royaume du Dan Romain sous le règne du roi Béranzin. Mais comment est-ce que des femmes à cette époque ont pu s'imposer? D'abord parce que leur leader, Tassi Rangbe, qui a remplacé son frère Akaba sur le trône du Dan Romain, était considérée comme une déesse, si vous voulez. Donc, elle est dotée de pouvoirs supposés magiques qui lui permettaient de jouer le leader au niveau de ses femmes. Donc, la première Amazone du Dan Romain, ce n'est pas exagéré de dire que c'est d'abord Tassi Rangbe qui a exercé le pouvoir exécutif dans le royaume. À partir de ce moment, ça a inspiré les autres dames qui étaient parties pour assurer sa garde rapprochée. Et elles ont, de victoire en victoire, pris confiance en elles-mêmes et sont devenues intrépides dans l'armée du Dan Romain. Je suis quand même curieuse de savoir si les Amazones étaient des femmes mariées. Non, elles n'étaient pas mariées. Elles n'étaient pas mariées au débat. Parce qu'en fait, généralement, on les prenait dans la fleur de l'âge. On les prenait dans la fleur de l'âge. Lorsque, dans les métiers des armes, vous arrivez à un certain âge, naturellement, on vous autorisait à prendre votre retraite. Après, lorsqu'elles sont démobilisées, en ce moment, elles sont autorisées à aller se marier. D'accord. Alors, à quelle période on a commencé à sentir que les femmes amazones disparaissaient petit à petit? Elles partaient, elles mouraient et tout. Elles n'ont jamais disparu. Elles sont toujours elles n'ont jamais disparu, surtout en 1894. Le général Dodd a bien confirmé que le corps d'élite des Amazones s'était illustré de manière tout à fait remarquable dans la guerre. Donc le commandant Foras, qui a été tué lors de la première confrontation, a été exécuté par une Amazone. Donc elles n'ont jamais disparu en tant que telles. Ben,
C'est plutôt avec la colonisation depuis 1894 qu'on s'est évertué à nous faire disparaître l'image de ces Amazones de notre imaginaire collectif. Donc je pense que aujourd'hui il y a un regain d'intérêt pour ces Amazones, surtout à la faveur de l'approche genre, et nous pensons que ce n'est que justice rendue à ces braves dames. Alors, la dernière femme amazone, il y a quand même des documents qui disent qu'elle est décédée, il n'y a pas très longtemps et tout. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à ça? Vous savez, je ne suis pas historien, je n'ai pas fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, sur la personne de la dernière amazone qui a disparu. Toujours est-il que dès 1894, le corps des Amazones a été complètement a disparu. Les restes se sont éparpillés, comme tous les soldats du Dan Romain, et même la société dahoméenne a été brisée. Et progressivement, les porteurs de l'histoire ancienne du Dan Romain se sont éteints. Au fur et à mesure, je pense que c'est comme ça qu'il faut considérer aussi la perte de la dernière Amazone. Alors, Herman, je sens que vous avez une question là. Oui, absolument, bien sûr. Comment ne pas avoir une question devant une si brillante exposée de notre professeur Bienvenu Akora. Alors, professeur, dans le discours d'adieu du roi Béhanzin, compagnon d'infortune, derniers amis fidèles, il rendait hommage justement à ces braves femmes, à ces braves Amazones-là qui ont combattu véritablement le colon. Est-ce que ces femmes-là, au-delà de leur capacité physique, avaient de super puissance? Ben oui, ben il faut doper le moral des troupes. Et aujourd'hui, comme hier, les militaires se préoccupaient d'avoir des puissances surnaturelles qui les protègent contre les balles, contre les blessures. Mais ce qui est sûr, pour doper leur morale, ils avaient des recettes tout à fait appropriées et tout à fait efficaces pour l'époque. Et donc je pense que ces recettes-là, du point de vue rationnel, nous pouvons dire que ces recettes-là existaient. Et peut-être même que ça existe encore aujourd'hui, mais puissance surnaturelle, permettez-moi de ne pas donner dans la superstition. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour préserver cette histoire-là qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est en train probablement de tomber dans l'oubli? Comment on fait pour préserver justement cette histoire-là réelle du Bénin, du Daromain d'alors? Ben, pas grand-chose, malheureusement, pas grand-chose, parce que nos livres d'histoire ne nous enseignent pas la structure du Dan Romain. Et ces livres d'histoire scolaire que vous avez utilisés, vous et moi, ne nous enseignent pas la bravoure de ces dames outre mesure, tout simplement parce que, globalement, on peut dire que c'est l'histoire du vainqueur, l'histoire que le vainqueur a rédigée pour le vaincu. Donc, vous savez, tant que les gibiers n'auront pas la parole, le chasseur sera le plus brave de la forêt. Absolument. Vous comprenez? Donc, cette histoire, nous avons grand intérêt à reprendre cette histoire, relire cette histoire, déconstruire systématiquement les affirmations gratuites qui émaillent cette histoire pour que la quintessence, la vérité historique soit aujourd'hui enseigner à nos enfants pour féconder une image, une nouvelle image du Dan Romain et chez les Béninois en général. Alors, nous sommes au thème de cet entretien. Je pense qu'on a eu l'essentiel sur ces femmes-là, ces braves femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et nous en profitons pour remercier le professeur Bienvenu Akora. Je rappelle que vous êtes professeur de linguistique et de tradition orale à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également, Ariane. Mais avant de vous laisser partir, professeur, j'ai une toute dernière question. Les Amazones, elles se battaient avec quoi? Ben, elle se battait d'abord, elle se battait avec des armes blanches au départ, avec des flèches aussi, mais aussi, à partir du roi Guézo, elles ont commencé par utiliser des fusils aussi.
Mais ce n'est pas... Vous savez, dans l'armée, il y a des bataillons et il y a des... Comme on a l'artillerie, on a les fantassins, on a... Elles ont des corps spécialisés, mais elles sont redoutables dans le corps à corps. C'est dans le corps à corps qu'elles se battaient. Ensuite, elles maîtrisent bien l'espionnage. Donc, c'est elles qui sont en première ligne pour détecter le dispositif ennemi et permettre à l'armée donc, de prendre l'ennemi à revers, et, etc. Ce sont ces armes-là. Et dans le corps à corps, elles avaient leurs ongles qui étaient prolongés par des armes blanches qu'elles portaient comme des bagues. Et ça leur permettait, donc, dans le corps à corps, de trancher la gorge de leur adversaire. Impressionnant. Merci donc à vous, professeur. Alors, si je vous posais la question, justement, c'est que dans un instant, nous allons parler d'escrime. Et justement, quand on parle d'escrime, il y a trois armes qu'on utilise. C'est généralement donc, ou ne pas dire, c'est l'épée, le sabre et le fleuret. Je voulais savoir si ces femmes-là utilisaient l'épée ou le sabre. Mais justement, on va parler de tout ça dans Les Six Sports. Les Six Sports, c'est avec Bruno Swali. Bruno Swali, bonjour, bienvenue. Bonjour Eman et salut à tous les téléspectateurs. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle des trois armes de l'escrime, l'épée, le sabre et le fleuret. Oui, effectivement, on va parler de l'escrime aujourd'hui qui est une discipline sportive contemporaine qui utilise, comme vous l'avez dit, trois armes, à savoir le fleuret, l'épée et le sabre. Et c'est donc cette escrime aux trois armes qui s'est accentuée, on va dire, à la fin du 19e siècle. C'est en ce moment-là que cette reconstitution-là du combat aux trois armes a été faite. On aura dans un instant les images d'abord des trois armes pour pouvoir faire la différenciation parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'épée, le sabre et le fleuret. Donc vous avez sur ces images-là l'épée, le sabre et le fleuret. Vous allez remarquer au niveau de la poignée, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, au niveau de la poignée de ces armes-là, une différence. Vous avez au niveau du sabre d'abord, il y a... on va dire un demi-cercle, et au niveau de l'épée, il y a un cercle qui est creux, et au niveau du fleuret, il y a un cercle qui est beaucoup plus plat. Donc voilà comment il faut différencier ces trois armes. Comme vous le voyez encore, en bas, vous avez le sabre, au milieu, vous avez l'épée, et en haut, vous avez le fleuret. Donc, on va dire, la coquille, d'accord, c'est ce cercle-là qui entoure la poignée de l'arme. Donc, au niveau de la coquille de l'épée, c'est un peu plus creux, au niveau du fleuret, c'est un peu plus plat. Et au niveau du sabre, c'est carrément différent. Donc, voilà comment se présentent les trois armes utilisées à l'escrime aujourd'hui. Nous allons aller arme par arme et les décrire beaucoup plus pour que les téléspectateurs puissent comprendre véritablement de quoi il s'agit. Donc, nous irons avec les premières images, Herman à Megan, pour absolument mieux comprendre. Oui. Voilà, donc on commence donc par le fleuret, comme vous le voyez là. Donc le fleuret est une arme d'estoc de convention avec la caractéristique d'une lame à base carrée utilisée dans la pratique de l'escrime. Et il faut dire que le fleuret a été créé au XVIIe siècle pour servir d'arme d'entraînement. Donc au début, c'était une arme d'entraînement et c'est la seule arme qui ne soit jamais sortie des salles d'escrime. Donc, en dehors des salles d'escrime, ce n'est pas une arme que vous voyez utilisée ailleurs. Donc, il faut aussi dire que le poids total d'un fleuret prêt à être utilisé est inférieur à 500 grammes. Donc, ce n'est pas une arme lourde. Sa longueur maximale est de 110 cm et sa largeur maximum est de 90 cm. Donc, la coquille doit avoir une circonférence comprise en 9 cm, 5 et 12 cm. La lame doit passer exactement en son centre. Donc, comme vous le voyez là, la lame du fleuret passe, on va dire, au centre de lame. Donc, il existe plusieurs types de poignées. La conventionnelle, comme vous voyez ici, c'est une poignée un peu différente au niveau du fleuret, mais il y a les poignées conventionnelles, il y a les poignées dites droites, il y a les poignées dites longilignes, il y a également les poignées dites orthopédiques. Nous allons parler de la seconde arme également dans cette chronique Herman à Megan pour absolument découvrir cette fois-ci, avec les images bien entendu,
Le sabre également, qui est une arme utilisée à l'escrime, c'est une arme d'estoc également, qui est, on va dire, utilisée par les escrimeurs et hommes et femmes. Donc voilà, et au niveau du fleuret, il y a, on va dire, un poids également qui est de 500 grammes, comme on vient de parler du fleuret également. Le sabre diffère des deux autres armes, car il est possible de toucher avec une autre chose que la pointe de la lame. Donc, il faut dire que la garde du sabre est composée de quatre éléments. Il y a la poignée, il y a le pommeau, il y a la garde ou ce qu'on appelle encore capus. Voilà. Donc, au niveau du sabre, comme vous le voyez là sur ces images, c'est la dernière arme à avoir, on va dire, été mise en utilisation par les escrimeurs. Donc, c'est la dernière arme qui a fait son entrée dans l'escrime, donc bien après l'épée et le fleuret. Donc, le sabre a été, comme je le disais, donc à partir de 1988, plus précisément, a été introduit dans l'escrime, soit 31 ans après le fleuret et 52 ans après donc l'épée. On va parler de la troisième arme, ce n'est pas la moindre, mais il s'agit de l'épée. L'épée est une arme d'estoc également, comme le sabre et le fleuret. L'épée mesure 110 cm de long pour un poids de 770 g. Donc l'épée est un peu plus lourde que le fleuret et le sabre qui ont des poids de 500 g environ. Et il faut dire que la longueur de l'épée est de donc 90 cm. Et l'épée moderne a été inventée au 19e siècle pour les combats en duel. On utilisait auparavant, à partir du 16e siècle, l'épée comme la rapière. Et c'était aussi une arme qui était utilisée par les Asiatiques dans les arts martiaux. Donc c'est l'une des rares armes, ou la seule arme pratiquement de l'escrime qui s'utilise aussi hors des salles d'escrime. Donc contrairement à l'épée et le sabre qui sont utilisés typiquement dans les salles d'escrime, l'épée est utilisée aussi en dehors par les pratiquants des arts martiaux. Donc la coquille de l'épée est circulaire, comme je vous l'avais dit, elle protège la main qui porte l'épée. Donc son diamètre ne doit pas dépasser 13 cm 5. Alors, il faut dire rapidement au niveau de ces trois armes qu'il y a, lors des combats d'escrime, il y a un système électrique qui est placé sur l'épée de sorte, ou l'épée, le sabre ou le fleuret, mais de sorte à ne pas nuire à l'utilisateur. Et c'est à base de ce système électrique-là que lorsque on vous touche les parties indiquées avec le bout de l'épée, du sabre ou du fleuret, le point est marqué parce qu'il y a des machines qui, grâce au système électrique, signalent que vous avez été touché par l'épée, le sabre ou le fleuret à un endroit sensible, à un endroit indiqué. Et donc, c'est celui-là qui a pu placer l'épée, le sabre ou le fleuret qui gagne le point. On va rapidement suivre cette vidéo d'environ 2 minutes seulement pour voir comment s'utilise l'épée, le sabre et le fleuret pour boucler la rubrique Lexique Sport d'aujourd'hui. Différentes, avec des règles différentes. On va commencer par le fleuret qui est l'arme d'étude. On touche uniquement sur le tronc. Donc on oublie les membres, pas la tête, pas les bras et pas les jambes. Et c'est celui qui attaque qui a raison. Donc c'est une arme à convention où il y a des règles pour pouvoir toucher. Ensuite, il y a le sabre. Le sabre, c'est une arme de convention aussi où il y a des règles pour toucher. C'est celui qui attaque qui a raison. Les surfaces, c'est tout au-dessus de la ceinture. En fait, ça s'explique parce que c'était une arme de cavalier, une arme de chevalier. Et il ne fallait pas toucher l'animal, donc le cheval. Donc tout était au-dessus de la ceinture. La troisième arme, c'est l'épée, l'arme de duel, l'arme que nous pratiquons, nous. On peut toucher des pieds jusqu'à la tête, et là, c'est le premier qui a touché qui a raison. Il n'y a pas de règle. C'est l'arme la plus simple à comprendre. Elle peut paraître simple parce qu'on peut toucher partout. Elle devient très complexe parce qu'il faut aussi défendre toutes nos cibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments de préparation d'attaque qui sont assez intenses. Ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, c'est très difficile à manier parce qu'il faut imaginer pouvoir toucher au pied jusqu'à la tête, mais aussi défendre son pied et sa tête. Donc, et aussi, à l'épée, il y a une chose primordiale, c'est quand tous les deux touchent en même temps dans le même 25e de seconde, les touches sont attribuées pour les deux personnes. Les gens s'identifient énormément à notre arme, l'épée. C'est, je dirais, la plus médiatique parce que c'est celle qui passe le plus
et c'est celle que les gens comprennent le plus facilement. Après, c'est vrai que le SAP, ça a de la gueule parce que ça va vite et que les mecs se rentrent dedans et tout le monde s'imagine en train de prendre des coups. Donc, c'est ce qui rend le truc un peu plus spectaculaire. Mais la meilleure arme, ça reste l'épée, ça reste la mienne. Voilà donc les propos de notre coach escrimeur, bien oui. évidemment. Alors Bruno Soily, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût? Parce qu'il a dit que les armes qui sont utilisées au niveau de l'escrime coûtent excessivement cher. Oui, les armes utilisées au niveau de l'escrime coûtent excessivement cher, un peu comme l'accoutrement. D'ailleurs, on ne va pas faire, on va dire, de pub ce matin, mais il faut posséder pratiquement des milliers d'euros pour pouvoir se procurer les armes de l'escrime. Donc, c'est une discipline qui coûte cher, bien sûr. Coûte cher, voilà. Merci donc à vous, Bruno. On sait désormais ce que c'est que l'épée, le sabre et le fleuret. On a retenu la leçon. Si vous voulez, faites une interrogation écrite. En tout cas, moi, personnellement, j'aurai au moins 15 sur 20. Alors, merci donc, Bruno. Celle qui vous suit immédiatement sur ce plateau, c'est bien sûr Rebecca Kenya. On est Rebecca Kenya. On est avec qui on va parler de piercing. Aujourd'hui, on parle de piercing dans la rubrique mode, beauté et bien-être. Rebecca Kendiamoulé, bonjour, bienvenue. Bonjour, Eman. Alors, la retouche du look, oui, le piercing. Oui, on parle du piercing aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique mode, beauté, bien-être. Aujourd'hui, nous parlerons de beauté, mais surtout du bien-être à travers le piercing. Alors, Eman, il faut déjà savoir que le piercing est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle. Le mot est issu de l'anglais « to pierce » qui signifie « percer ». L'équivalent exact en anglais est « body piercing », »,« perçage du corps ». Vous le savez? Bon, vous venez de me l'apprendre. Dans l'Égypte antique, le piercing faisait office de marqueur social. Ainsi, les boucles d'oreilles en or étaient réservées aux classes de haut niveau social, tandis que le piercing au nombril était destiné aux pharaons ainsi qu'aux membres de sa famille. Symbole d'exotisme à caractère abject, le piercing à l'oreille regagne du terrain pendant la Renaissance, probablement grâce au regain d'intérêt pour la culture antique. Dès lors, il devient une parure indispensable de la femme aristocratique. Aujourd'hui, le piercing a su s'imposer lentement mais sûrement comme un accessoire de mode presque ordinaire. On en distingue de plusieurs sortes. Que doit-on comprendre essentiellement avant de faire percer une partie de son corps et surtout, quels sont les risques? On en parle aujourd'hui avec Madame Fausta Dossa. Elle est esthéticienne. Elle fait aussi le piercing dans son institut de beauté. Bonjour. Madame, Rebecca. Bonjour. Bonjour, Rebecca. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, votre week-end, ça a été? Ça va, merci. D'accord. Je décide de me faire percer une partie de mon corps pour la toute première fois. Que dois-je savoir? Il faut savoir que le piercing, c'est comme le tatouage. On ne le fait pas sur un coup de tête. Il faut réfléchir avant de le faire. Donc, il faut se poser des questions. Savoir si le perceur, c'est un professionnel du domaine. Savoir et les bijoux adaptés, les recommandations du perceur, les risques, les méthodes qu'il utilise et savoir si ça fait mal. Alors, quels sont les différents types de piercing qu'on distingue aujourd'hui? Nous en avons plusieurs, mais nous allons citer quelques-uns. Le piercing de la lèvre, la langue, le nombril, le clitoris et le téton. Ok. Alors, parlez-nous un peu des méthodes de piercing. Comment vous faites ça dans votre institut de beauté? Et il y en a plusieurs, mais à Igwe, nous utilisons la méthode de l'aiguille, car ça garantit la rapidité et facilite la cicatrisation. Est-ce qu'on peut se percer les oreilles soi-même ou une autre partie de son corps? Bien sûr, mais j'aurais préféré que vous fassiez recours à un professionnel du domaine. Un professionnel du domaine, c'est-à-dire? Un pro quoi? Un studio de piercing. D'accord. On fait un tour rapidement à la régie pour suivre cet élément. On revient juste après.
Une chose est sûre, Rebecca, au regard de ces images, il faut être vraiment courageux pour faire cette pratique. N'est-ce pas, madame Foussa? Bien sûr, il faut être vraiment courageux avant de poser l'aide. Alors, parlons des risques de complications sur une échelle de 1 à 10. Un piercing mal fait peut vous causer l'œdème. L'œdème, c'est... Le gonflement. Un piercing mal fait peut vous causer un œdème, une infection, une hémorragie ou une réaction allergique. Ok. Et comment savoir alors que mon piercing, par exemple, est infecté? Si la zone percée reste rouge, sensible et gonflée, vous avez la migraine pendant plusieurs jours après le percé. Alors, faites recours à votre médecin ou à votre perceur. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur des cas comme ça dans votre institut? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, chez nous, à Eagle Beauty, nous avons des baumes, des pommades qu'on utilise pour... D'accord. Est-ce qu'il y a des, parlons des boucles d'oreilles, enfin des bijoux qu'on place à ces endroits-là, est-ce qu'il y a des particularités, est-ce qu'il y a des bijoux essentiellement consacrés à cela? Oui, oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Quand vous faites percer, les boucles provisoires sont posées. Chez nous, on les appelle les boucles temporaires ou les boucles médicales qui sont retirées après la cicatrisation. Et après ça, vous pouvez acheter vos boucles. Souvent, je conseille d'acheter les boucles en or ou en acier. D'accord. Alors, merci à vous, Madame Fausta Dossa. Je rappelle que vous êtes esthéticienne. Oui. Vous faites aussi le piercing dans votre institut. Merci d'avoir répondu présente. Merci également à vous aussi, Rebecca. Ou bien vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions ce matin. Je sais que... Je ne suis pas assez courageux pour faire le piercing. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, très sûr. Alors, on va à présent parler de cocktail. Okay. Vous savez qu'il y en a qui sont très, on va dire, très fins. Et leur passion, c'est de faire du cocktail. Madame Fausta, vous le savez? Non. Non? Non. Alors, vous allez rester avec nous pour découvrir comment on fait du cocktail. C'est avec Nicanor Kovi. Ok. La mixologie, l'art de faire des cocktails, ils sont des Picasso, ils sont des Léonard de Vinci. Seulement que eux, leur chose, c'est bien sûr de faire des cocktails, de faire des mélanges savamment orchestrés pour nous offrir, bien évidemment, un rafraîchissement à la hauteur de nos attentes. Nicanor Kovi, bonjour. Aujourd'hui, on parle de mixologie. Herman Amégan, bonjour. Amis parenthésistes, bien le bonjour. La mixologie, l'art de faire des cocktails. Eh bien oui, vous le voyez, je suis avec une dame qui s'y connaît, une experte en mixologie. Je la laisse se présenter elle-même parce que de ma bouche, si je le dis, ça fera trop poétique. Bonjour. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Agemle Domitil. Et puis voilà, simplement. Vous l'avez certainement reconnue, elle a été mixologue sur la 2 il y a quelques années. Absolument. 4 ans durant, elle a préparé des cocktails pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Chin Chin s'appelait l'émission. Depuis lors, elle n'a jamais délaissé sa passion pour les cocktails, appelez-la mixologue. Alors, Nicanor, bien sûr, on va découvrir d'abord avec vous ce que c'est que la mixologie avant de faire tout à l'heure la pratique. Alors, on va l'abandonner rapidement à sa pratique. Le temps de faire une petite littérature sur la question. Elle va nous présenter un cocktail sur ce plateau et qu'on va goûter à la fin. Vous aimez les cocktails, Herman? Ah, mais bien sûr. Et je serai même celui qui va goûter en premier. D'accord. Parlons mixologie. Public, mais je vous ravis la vedette sur ce coup. Parlons mixologie à présent. C'est l'art de faire les cocktails. C'est l'art de mélanger les fluides, on va dire, de faire les cocktails tout simplement. C'est une terminologie anglo-saxonne pour dire cocktailogie, si on veut. Retenons l'essentiel, que essentiellement c'est ça, la mixologie, mais c'est plus, ça va au-delà de la science et de l'art. Mais cela, il y a une dame plus experte que moi pour en parler tout à l'heure. Le cocktail, revenons-y, le mot lui-même recoupe une terminologie vieille comme le monde. L'art des cocktails existe depuis fort, fort longtemps, mais le mot mixologie, lui, n'est apparu que dans les années 2000.
Cocktail, revenons-y, 1860-1806, l'année exacte, le 3 mai. C'est la date d'apparition de ce mot dans un magazine américain. Mais qui donc a donné ces lettres de noblesse au cocktail? Jerry Thomas, qui est celui qui est, on va dire, ce que Elvis Presley est pour le rock'n'roll au cocktail et donc à la mixologie. C'est lui qui a écrit le premier guide de mixologie, le premier guide des cocktails. Nous étions en 1862, The Bartender's Guide, How to Drink, How to Mix Drinks. En 1862, il y a décrit les grandes familles de cocktails. Il y a inventé même le Boublezer et le Tom Jerry, des cocktails devenus célèbres depuis lors. Les grandes familles, je le disais, et comment pratiquer, comment mélanger tel ou tel autre instrument. Un livre qui, bien des années plus tard, fait toujours office de référence. Alors finalement, Nicanor, la mixologie, c'est un art ou c'est une science? Ah, il est difficile de faire la part des choses. Une science en cela qu'elle fait intervenir hypothèses, observations, expérimentations et même un vocabulaire propre et un art parce qu'il fait intervenir, parce qu'elle, la mixologie, fait intervenir un savoir-faire à nul autre pareil. Alors, dites-nous, vous êtes, voilà, un petit cocktail pour la route, on va aller courir. Un cocktail pour la route, on attend encore, je vous laisse mijoter encore un tout petit alors, peu. Alors, j'ai des effluves dans ma bouche. Eh oui, vous êtes amateur d'alcool et de cocktail, on le constate. Pas d'alcool, mais de cocktail. Mais avant de découvrir le cocktail fait maison sur ce plateau, je vous laisse mijoter dans cet univers de la mixologie. Je vous présente un grand maître à l'œuvre dans un célèbre bar de New York que je me garderai bien de nommer ici. Thank you.